Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est moi que vous voyez en premier. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a bougé le poulailler qui était normalement en face de la porte, donc qui est là. Elle était en face de la porte, donc qui était juste ici en face de moi. On l'a bougé, donc on l'a mis là-bas. Voilà, donc la poupoule là-bas. La poupoule. Tu dis bonjour? Non? Ok, bon bah va te. Hein, on va aller voir l'autre. Peut-être qu'elle sera un peu plus coopérante. Tu dis bonjour? Bonjour. Ça va, je vais pas te manger. Encore assez grasse pour être mangée. Donc du coup, on a mis le poulailler là, pour l'instant il va rester là. Donc là il y a la dalle qui était déjà faite avant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un enclos au-dessus. On va changer le poulailler parce qu'il est dégueulasse. Et puis il est mort aussi. Force de prendre l'humidité, c'est plus du bois, c'est du torchis. Voilà. Donc moi ce que j'ai commencé à faire, bah, c'est que j'ai commencé à baisser un peu. Quand vous voyez le boulot, c'est pas vraiment un peu. J'ai coupé la haie. J'ai pas encore terminé, je suis à plus de la moitié de la haie. Je me suis amusé, on va dire. Parce que normalement, vous voyez là c'est la haie qui n'est pas encore faite. Voilà. Et ça c'est la haie qui est faite. Voilà. Donc toutes les branches sont là. Et il me reste encore tout ça à faire. Et ce qui est chiant, c'est que ici, je me tape des ronces, des trucs qui montent, des lianes grimpantes qui piquent avec des énormes tiges, hein, comme là ici. Heureusement que je fais attention. Il y en a encore plein là. Ça va être bien. Donc, du coup, il me reste encore tout ça. Là, il y a encore une pic-pic, hein, encore une branche pic-pic qui va encore m'atterrir dans les cheveux et m'arracher la moitié des cheveux, même s'il ne m'en reste plus beaucoup parce que j'étais chez le coiffeur. Et après, ce que j'ai fait aussi du beau boulot, j'ai mis aussi ça, voilà. Donc il y en a, je sais pas si vous allez bien voir, donc là j'ai coupé aussi et j'ai mis ça, voilà. Ça fait plus propre. C'est aussi pour éviter, c'est aussi pour couvrir un peu le trou des poules, parce que les poules s'amusent, logique, il faut bien qu'elles se dégourdissent les pattes, elles font des trous. Donc voilà, donc je vais continuer tout ça en espérant pas me prendre une ronce en plein front et m'arracher le peu de cheveux qui me reste. Les branches, je sais pas ce que je vais en faire, je peux pas les brûler de toute façon, logique. Je pense que j'adore le bruit. On adore. Le bruit est excellent. Surtout quand il y a du passage. Surtout à cette heure-ci. C'est à l'heure où tout le monde rentre. Donc forcément. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ouais. Donc voilà. Donc ouais, il y a tellement beaucoup de branches. Vous voyez pas trop l'épaisseur, mais ça remonte au moins au niveau de ma hanche, sachant qu'il reste encore tout ça et des épaissirs, sachant qu'il y a une bonne épaisseur quand même, parce que le tronc il est ici, donc chaque tronc est au même, et il y a quand même pas mal d'épaisseur enlevée, quoi. Moi ce que je fais, c'est que je coupe par rapport au tronc, je coupe les branches jusqu'à hauteur d'homme, à ma hauteur, quoi, parce que je suis le plus grand de la famille, donc... Moi je vais continuer, madame est en train de donner à manger à monsieur. Moi j'ai des petits pots. Voilà. Et on va voir le bébou. Oh, les bébous. Merci bébé. Bonjour. C'est bon mon biberon. C'est saveur brioché. Ça sent trop bon. Ça va être bon petit ventre, ça. Hein?
Bon bah du coup voilà, madame va reprendre après. C'est maman qui reprend après? Oui. Oui. C'est moi qui reprend après. Qu'est-ce que t'as toi? Bah, va dehors. Va te promener. Et l'autre monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup je vous reprends à la suite de Aurélien. Je sais pas trop ce qu'il vous a raconté, mais je vais vous parler des trucs qu'il fait à l'extérieur. Il est en train de couper des branches, etc. On est en train de faire des améliorations parce que franchement, voilà. Du coup, je suis en train de donner le bébé du goûter à Souveraine. Oui, il est en train de grognoter parce que ça vient pas assez vite. Donc, on vous a pas repris en vlog depuis un petit moment parce que, à vrai dire, on n'avait pas grand chose à vous raconter. Et comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, vloguer pour vloguer, c'est pas mon truc. Voilà, donc je préfère ne pas vloguer, quitte à ne pas donner de nouvelles, etc. Et que de faire du contenu pour faire du contenu. C'est pas du tout mon style, donc voilà. Donc de 1, il n'y avait pas grand chose à vloguer. De 2, bah, en fait, on était plus posés qu'autre chose. Donc bah, on avait aussi un peu envie de profiter et de pas être trop sur les réseaux. Donc voilà. C'est aussi un choix. Les enfants ne sont pas là, ils sont chez mes parents parce que du coup ils sont partis 2 semaines en vacances, vu que là du coup nous sommes au moment des grandes vacances. Donc et ben, ils sont partis là-bas pour 15 jours, donc ça nous permet nous aussi de souffler un peu et puis bah, de faire tout ce qui est un peu entre guillemets petits travaux de la maison, etc. Ça nous permet de faire ça tranquillement. Voilà, on a un petit peu plus de temps pour nous. Bon, même si Soren est là, mais c'est pas Soren qui nous prend le plus de temps. Voilà, c'est vrai que maintenant, bon, il a quand même déjà 5 mois, donc c'est pas. Il nous prend pas le même temps qu'il nous prenait quand il était plus nourrisson, on va dire. Voilà, donc pour ça, j'étais en train de finir le montage de la vidéo qu'on a tournée. Donc au moment où je pense que vous allez voir ce vlog, je pense que la vidéo sera sortie sur l'autre chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous le retire encore ici pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne. On a une chaîne couple avec Aurélien et on a fait une vidéo donc dégustation. Je viens juste de finir le montage. N'hésitez pas vraiment à aller checker les vidéos sur l'autre chaîne. Ça vous permet aussi d'avoir du contenu différent au final, parce qu'ici c'est beaucoup de la famille, du vlog, etc. Et sur l'autre chaîne ça va être plus des choses dégustation, humour, voilà, un peu dans ce style là donc si vous voulez également nous suivre là-bas, bah, n'hésitez pas à y aller, je vous remets ça à l'écran et en description comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? T'es pas content, mon chou? Ben ouais, ça vient pas assez vite, c'est ça? Allez, voilà pour ça. Sinon, pour vous donner un peu de nouvelles des enfants, donc du coup qui dit vacances dit fin d'année scolaire, donc on a Enzo qui passe en 5e. Voilà, il a fait un très bon une très bonne année et surtout il a très bien fini l'année, donc ça je suis vraiment très contente. Bon, dis donc, petit l'âge, ça te fait rire en plus mon cœur, ça te fait rire. Donc oui, passage en 5e pour Enzo, excellente année aussi pour Noah, donc passage en CM2 et une belle évolution pour Maëlie également, passage donc du coup en CE2. Voilà, donc Maëlie change d'école, ça y est, enfin elle change d'école vu qu'elle passe au niveau supérieur. Elle va donc du coup dans la même école que Noah. Je vous reprends là, désolé, ça a coupé parce qu'on a eu quelqu'un qui est venu sonner à la porte parce qu'en fait on avait reçu un colis qui n'était pas nous, on l'avait ouvert, on attendait un truc. Et du coup on l'a ouvert et on a vu que c'était pas nous, donc la personne est venue le récupérer. J'allais venir sur le fait qu'il faut maintenant faire une, enfin il faut créer une carte de transport pour Maëlie parce que du coup elle prendra le car avec Noah le matin. Voilà, il n'y aura plus besoin de l'emmener à l'école, elle partira directement à l'arrêt de car, elle prendra le car avec Noah et elle reviendra aussi le soir en car. Donc comme ça on aura pu ça gérer, donc du coup c'est déjà une bonne chose. Pour nous, ça nous permettra aussi de pouvoir être un peu plus posés le matin. Voilà. Et puis ça leur permet aussi à eux d'être un peu plus indépendants et de se débrouiller tout seul finalement. Sinon, bah écoutez, pas grand chose à vous raconter. On a fait du coup quelques petits achats. Je sais pas si Aurélien vous a montré, mais on a acheté en fait un parvis, enfin
je sais pas si on appelle ça vraiment un parvu, pour du coup mettre au niveau de la clôture, parce qu'en fait on a énormément de vis-à-vis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et c'est un peu chiant, ne serait-ce que pour Riley du coup, parce que dès qu'elle voit quelqu'un passer elle aboie, même pour nous on n'est pas vraiment tranquille quand on est dans le jardin, donc voilà, on a pas mal de petites choses qu'on veut améliorer dans le jardin. Donc du coup là il est en train de couper la haie, mettre des parvus, donc on en avait acheté juste deux, de quoi tester pour voir ce que ça donnait. Donc il faudra qu'on en rachète d'autres parce qu'il n'y a pas assez. Voilà, sinon bah pas grand chose. Vous n'avez pas eu de retour de course parce que finalement vu qu'on est que tous les deux, c'est pas non plus des courses hyper folichon, donc on s'était dit bah pourquoi faire un retour de course pour 2-3 babioles, ça sert à rien. On n'a pas filmé non plus le week-end dernier parce qu'on était donc au renouvellement de vœux de mariage de la sœur à Aurélien, donc forcément on a voulu vraiment être focus plus sur ça, sachant qu'on se voit jamais dans l'année, donc voilà. Comme ça Soren a pu voir sa tata, sa mamie, voilà, tout le monde était content, on a passé un super week-end, vraiment c'était hyper top. Du coup on est remonté jusque dans le nord, donc on avait un peu plus de 400 km à faire. Donc voilà, on s'était dit peut-être qu'on allait filmer, puis au final on a tellement vécu le truc vraiment à fond que bah en fait on s'est dit bah tant pis, c'est pas grave, on refilmera à partir de la nouvelle semaine. Donc je vous ai pas pris lundi, mardi, mercredi parce qu'au final on n'a pas fait grand chose. On a fait un peu les magasins hier mais vraiment vite fait. Sinon bah non, rien de particulier à vous raconter autrement. Voilà, donc du coup moi je continue ça, j'ai pas mal de boulot à faire par rapport aux vidéos. On en profite que les enfants ne soient pas là pour du coup bah, tourner des vidéos d'avance. Qui reviennent le 20 quelque chose, je n'ai plus ça en tête. Je crois que ça doit être oui, le 21, voilà, le dimanche 21. Nous on les a pour bah, jusqu'à la fin du mois. Et à partir du 1er août jusqu'au 1er septembre, ils seront en vacances chez leur papa. Voilà, sinon il y a pas mal de petits projets qui sont en train de se... Comment dire, qui sont en train de mûrir un peu dans nos têtes. Il y en a surtout deux qui vont arriver assez rapidement, je pense, maintenant. Alors, un sûr, l'autre, c'est encore un peu en suspens. Un autre projet sur le long terme aussi. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui arriveront, je pense, pour cette nouvelle année scolaire. Je parle d'année scolaire parce que... On parle pas d'année vraiment genre janvier à décembre, mais vraiment année scolaire, donc à partir de septembre. Pas mal de petites choses qui vont arriver aussi pour nous. Donc bah voilà, vous allez avoir un petit peu plus de contenu, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. J'avais dit que j'allais refaire des meal prep, mais bon là on est que tous les deux, donc je vois pas trop l'intérêt de vous en filmer, sachant qu'on bah, on mange un peu au compte-goutte en fait. Voilà, dès qu'on a faim on mange, on se prépare à manger, on est un peu en décalé, forcément les enfants ne sont pas là, donc on s'octroie un peu des décalages, et puis manger pas forcément à midi, mais si on mange à 13h ou 14h, on mange à 13h ou 14h. Voilà. On a mis un petit peu de côté en ce moment les live Twitch parce qu'en fait on en a fait beaucoup d'affilée, et du coup on a envie de mettre une petite pause là et justement faire l'inverse, reprendre un petit peu en main notre chaîne YouTube. Il y a également aussi une question de mon divorce, du coup je vous en ai pas trop parlé finalement ici, pas plus que ça. Vous savez que je ne suis plus... avec le papa de mes enfants depuis 2018, qu'on avait commencé à entamer un peu des démarches de divorce sans vraiment trop s'y mettre dedans, enfin plus de son côté, moi j'étais un peu plus dedans. Et puis après entre deux j'étais séparée de Laurent, je me suis mise avec Aurélien, après je suis tombée enceinte, enfin il y a eu pas mal de choses qui ont fait que bah, ça a été mis un peu en stand-by, sauf que bah, là ça commence à faire en fait, ça commence à traîner depuis au moins 3-4 ans. Donc mon avocate, bah forcément au bout d'un moment... bah ça traîne, donc c'est un peu chiant pour elle, surtout que c'est un dossier qui normalement devrait être assez rapide puisque c'est un divorce à l'amiable, donc à l'amiable les deux époux se mettent d'accord sur telle ou telle chose et c'est beaucoup plus rapide, sauf que bah finalement ça prend énormément de temps parce que de mon côté ça avance mais de l'autre ça n'avance pas. Voilà, donc du coup là on a vraiment remis le pied à l'étrier, on a remis ça en marche et il y a une première audience qui se fera donc du coup le 18
pour déterminer chaque chose, donc la pension alimentaire, le rythme de garde, voilà, toutes ces choses-là. Donc on n'est pas obligé d'être présent. Je ne sais pas si je vais y aller, franchement j'en sais rien. Je me dis, si j'y vais, ça me permettra d'avoir les informations vraiment en temps voulu sur le tas. Mais si j'y vais pas, je finirai quand même par avoir les informations et ce qui a été dit. Mon avocate me refera part de ça. Donc je sais pas, vraiment à voir. Mais déjà le 18, voilà, il va y avoir quelque chose d'acté en disant que voilà, monsieur, madame souhaitent divorcer, ils sont d'accord sur ça, 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 ça. Voilà, il y a ça qui sera mis en place, etc. Donc ce sera déjà une bonne chose de fait. Le divorce sera prononcé. Alors par rapport au 18, je ne sais pas si ça va être dans la foulée ou si ça mettra du temps, mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est que voilà, je sois débarrassée de ça assez rapidement, parce que c'est un peu chiant en fait, et que je vous le dis clairement, j'ai plus envie de porter de mon ex-mari, parce que c'est normal en fait, enfin je veux dire, on n'est plus ensemble, donc on a vraiment que les enfants qui nous lient, mais voilà, j'ai aussi envie de redémarrer une nouvelle chose, entre guillemets, tourner la page sur ça, et puis voilà, redémarrer sur quelque chose de nouveau, donc reprendre mon nom de jeune fille, et puis repartir de zéro. Je continue ce que j'étais en train de faire, mon montage, bosser un peu sur les idées de vidéos, noter un petit peu à quel moment on va tourner ça, à quel moment on va mettre ça en ligne, et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Je ne vous dis pas quand, parce qu'à chaque fois je vous dis je vous reprendrai dans l'après-midi ou dans la soirée ou truc, et au final je vous reprends une journée voire deux jours après, donc je ne sais pas à quel moment je vous reprendrai. À plus tard.